Bonjour à tous, je m'appelle Ludivine, je suis en direct du lac Atitlan au Guatemala et dans le cadre de cette conférence sur les maladies de nos civilisations, je voulais vous parler d'un soin ayurvédique dédié à l'appareil génital féminin. Ce soin s'appelle Uttara Basti. Uttara, en sanskrit, cela signifie le cosmos, la matrice ou tout simplement l'utérus. Et Basti, en Ayurveda, cela fait référence à des lavements, soit par l'eau en décoction avec des plantes ou sur une base huileuse avec également des plantes et cette base peut être faite avec de l'huile ou du ghee. J'ai choisi ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement, dans la mesure où depuis très petite, j'ai des règles irrégulières. Dans ce monde où, en ce moment, il y a un grand essor du yoni egg, aussi appelé œuf de jade, j'avais envie aussi de vous montrer qu'en Ayurveda, il y a ce soin totalement nourrissant et purifiant pour notre utérus et qui va vous aider vraiment dans énormément de situations reliées à votre utérus, non seulement au niveau physiologique, mais aussi énergétique et émotionnel. Alors en Inde, certaines cliniques ayurvédiques ont des ustensiles qui permettent vraiment d'aller insérer la décoction ou le produit huileux médicalisé, à l'intérieur du col de l'utérus lui-même. Mais il y a vraiment des façons de le faire, comme je l'ai dit auparavant, beaucoup plus simples. Et j'utilise des recettes données par Maya Tiwari, une espèce de sainte du Tantra et de l'Ayurveda, pour que vous puissiez éventuellement le tester à la maison. Alors, les bénéfices d'Uttara Basti. Au niveau physiologique, premièrement, il y en a tellement de conditions où Uttara Basti va vraiment vous permettre de trouver une guérison et un confort au niveau de votre utérus. Alors, je vais vous donner une liste et je vais me permettre de lire parce qu'il y a beaucoup de conditions. Il y a les infections vaginales, les mauvaises odeurs, la sécheresse vaginale, maladies vénériennes, problèmes de déséquilibre hormonaux, symptômes de la ménopause, aide face à des cancers comme le cancer de l'utérus, le cancer des ovaires ou des seins, blocage des trompes de Fallope, infertilité, aménorrhée, dysménorrhée, ménorragie, endométriose et tous les problèmes, ou en tout cas un certain nombre de problèmes liés à votre appareil urinaire également. Uttara Basti aussi, c'est une aide au niveau de l'énergie, au niveau de l'énergétique. D'alors, donc, au niveau de notre périnée, au niveau de notre sacrum, spécialement chez la femme, il y a une énergie, un prana, qui s'appelle Shakti Prana. Et alors, à partir du moment où vous allez commencer ce soin Uttara Basti, vous allez sentir au niveau de votre bas-ventre et au niveau de votre utérus cette énergie commencer à bouger et onduler à l'intérieur de votre corps. Il faut savoir qu'en Ayurveda, il est très très important de faire en sorte que notre prana bouge. Il ne faut pas que ce prana soit bloqué ou qu'il pousse trop fort à l'intérieur de notre corps ou pas assez. Et il faut aussi que ce prana bouge dans la bonne direction. Et grâce à ce soin, grâce aux plantes utilisées dans ce soin, vous allez pouvoir utiliser cette Shakti Prana. Cette Shakti Prana, en fait, c'est l'énergie féminine primordiale. C'est celle qui nous connecte à la terre-mère, à notre féminité, à notre puissance féminine, tout simplement. Et à partir du moment où vous nourrissez ce prana, vous allez pouvoir être dans d'autres dispositions par rapport à votre corps, évidemment,
par rapport à votre énergie et aussi, et très important, par rapport à votre féminité. Le troisième bénéfice, dirons-nous, c'est par rapport à l'élément eau. L'utérus, notre utérus, est lié à l'élément eau. Jala en sanskrit. Et d'ailleurs, tout humain sur cette terre est fait de 70% d'eau. Et cette eau est particulièrement influencée par l'astre de la lune. Donc à partir du moment où vous allez faire rentrer cette décoction avec ces plantes, vous allez travailler et faire un travail, on va dire, alchimique de votre système d'eau à l'intérieur de votre corps. Et l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est aussi votre système émotionnel. Donc, avec ce soin, vous allez pouvoir laisser sortir, laisser aller des émotions qui sont peut-être encrassées ou qui sont bloquées à l'intérieur de votre vagin. Vagin qui est aussi connecté au centre du cœur. Et vous allez pouvoir faire un travail pour aussi lâcher des structures dont vous n'avez plus besoin. Alors, de manière courte, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous donner des recettes données par Maya Tiwari que vous allez pouvoir faire selon certaines problématiques. Peu importe votre dosha, cela vous aidera. Alors, la première recette, c'est une recette où vous aurez besoin d'une poudre de triphala organique et de gel d'aloe vera. Alors, vous faites bouillir dans un bain-marie de l'eau. Une fois que cette eau est bouillie, vous y rajoutez une petite cuillère de triphala. Vous laissez cette préparation travailler, tout simplement. Et pendant ce temps-là, vous pouvez aller faire un massage, un automassage au niveau de votre bas-ventre, de vos fessiers et de vos hanches et mettre une serviette chaude à cet endroit-là afin que l'huile pénètre profondément dans votre peau. Ensuite, après ces 15 minutes, vous passez à la passoire, pardon, la préparation et ensuite vous rajoutez une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Vous êtes presque prêt. Vous pouvez utiliser la prière ou l'incantation pour donner de l'énergie et activer l'esprit des plantes à l'intérieur de votre préparation. Vous aurez besoin aussi d'un kit de lavement pour les douches vaginales que vous pourrez très certainement trouver en pharmacie. Et ensuite, vous vous mettez sur le dos. Vous pliez vos genoux près de votre poitrine et vous allez insérer tout doucement la canule de votre kit de lavement et laisser la préparation envahir votre vagin. Une fois que vous sentez que le vagin est rempli, vous serrez bien votre anus, vous serrez bien votre vagin pour garder le plus longtemps possible cette préparation nourrissante et purifiante. Ne vous inquiétez pas, la préparation, elle va rester pas plus que quelques secondes à l'intérieur de vous et c'est ok, c'est tout à fait normal. Une fois que c'est fini, vous pouvez tout simplement vous relaxer et vous sentir prendre le temps de bien respirer et de voir ce qui se passe, de sentir le mouvement de l'énergie à l'intérieur de votre corps. Alors cette décoction de triphala et d'aloe vera est très très bonne pour des problèmes de syndrome prémenstruel, de crampes, si vous avez des problèmes de fertilité, des maladies vénériennes, un prolapse de votre rectum, un cancer du sein, de l'endométriose et de l'ostéoporose. Pour la deuxième recette, en fait, ce sera la même chose que celle qu'on a vue juste avant. Tout simplement, au lieu d'utiliser du triphala et de l'aloe vera, vous allez acheter des feuilles de rose organiques séchées
et des feuilles de framboisier, séchées également. Et vous allez mettre une cuillère à soupe de chacune des plantes à l'intérieur de votre eau chaude bouillie et vous allez les laisser encore une fois pendant 15 minutes afin que votre eau prenne toutes les propriétés des plantes. Alors, dans ce cas-ci, je vais vous citer les conditions dans lesquelles vous pouvez utiliser cette recette. Alors, des problèmes menstruels, des odeurs vaginales, différents types de problèmes utérins et encore une fois, cancer des seins. Ou si vous avez des règles irrégulières comme moi, vous pouvez utiliser cette recette. Et puis si votre flot au niveau de vos règles est trop abondant ou pas assez, également vous pourrez utiliser la fleur de rose et les feuilles de framboisier. Alors, dans n'importe quel cas, lorsqu'on fait de l'Ayurveda, évidemment, la chose essentielle, c'est d'être en connexion avec la nature, parce que c'est ce que nous donne à penser, nous donne à vivre l'Ayurveda, c'est que nous soyons alignés totalement avec la nature, parce que nous sommes de cette nature. Et alors, pour être alignés à cette nature, il nous faut vivre à son rythme, respecter son rythme et sa vibration. Donc, cela veut dire quoi? Dans le cadre de ces soins, cela veut dire que non seulement vous allez devoir prodiguer ces soins à des moments spécifiques de la journée, mais aussi des moments spécifiques du cycle lunaire. Alors, dans la journée, ce sera entre 7h et 8h du matin ou du soir. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de Kapha, c'est l'heure du dosha, de l'eau et de la terre. Au niveau du cycle lunaire, alors, il va falloir faire ce soin au moment de la nouvelle lune. Pourquoi? Normalement, nous les femmes, nous devrions avoir nos règles au moment de la nouvelle lune et non pas de la pleine lune ou des autres cycles de lune. Donc si vos règles n'arrivent pas au moment de la nouvelle lune, utilisez ce soin pour faire en sorte de vous resynchroniser avec l'énergie de la nouvelle lune. Car l'énergie de la nouvelle lune, c'est quoi? L'énergie de la nouvelle lune, c'est l'énergie du lâcher-prise, de la mort et la résurrection, de la purification. Et donc c'est ce qui se passe lorsqu'on a nos règles, on laisse aller, on se retire. On purifie son corps avec le fait de laisser le sang couler entre nos jambes. Donc à partir du moment où vous allez pouvoir vous synchroniser avec le rythme de la nature, tout simplement vous allez être supporté par cette nature et elle vous aidera à éradiquer les symptômes, les maladies auxquelles vous êtes sujette, puisque la maladie arrive, selon les principes ayurvédiques, lorsque on n'est plus en harmonie avec la nature dont on fait partie. Évidemment, aussi, il va falloir attention à ce que vous mangez, donc avoir une bonne nutrition ayurvédique, utiliser des plantes, des herbes, avoir une bonne digestion, avoir une vie aussi calme que possible, avec une vie sexuelle équilibrée et aussi bien dormir. Donc on a bientôt terminé cette petite discussion sur Uttara Basti, ce soin du vagin et de l'utérus, de l'appareil génital féminin. Alors moi j'ai un rêve, I have a dream. J'ai le rêve que toutes les femmes puissent faire ce soin, synchroniser leurs règles, synchroniser, harmoniser leur utérus et le cycle de leur corps à la lune pour faire en sorte que leur Shakti Prana, leur énergie féminine puisse aller dans son plein potentiel pour qu'elles puissent être en connexion avec
une féminité équilibrée, avec leur intuition, avec tout simplement la force de la capacité féminine telle qu'on ne la connaît plus de nos jours. Et vous allez voir que à partir du moment où vous allez commencer ce soin, il y a quelque chose de très subtil qui va changer en vous, et une espèce de confiance et de joie intérieure qui va s'installer au fil du temps où vous allez intégrer cette pratique chez vous. C'est seulement ce que j'avais à dire. Namasté et vive l'Ayurveda. Et donc si vous voulez commencer à utiliser Uttarabhasthi, c'est maintenant. Vous pouvez me contacter ou contacter l'école Swadhyaya qui vous donnera toutes les clés pour faire cette démarche. Merci, à bientôt.